Nous sommes en route pour aller se faire tatouer. Moi je suis contente, j'ai hâte. Je suis juste un peu dubitative parce qu'elle nous a pas recontacté pour nous montrer ce qu'elle va nous faire. Donc vraiment on y va genre à l'aveuglette. Ah ouais, c'est la surprise totale. Ouais, c'est ça. Et Mathilde, comment tu te sens toi avant? Moi ça va, un peu stressée comme d'hab. Mais j'ai hâte, et c'est un tout petit truc moi. Oui, bah vas-y, explique-leur ce que tu vas te faire faire. C'est un petit cœur, mais en fait la tatoueuse elle est particulière. C'est dommage, elle nous a fixé des prix. C'est vrai. C'était trop cher pour nous, du coup on lui a donné nos prix. Et elle a dit bah d'accord. Et moi pour le même prix, donc moins cher que ce qu'elle avait dit à la base, bah elle veut bien me faire un truc en prix. Donc on sait pas. Elle va peut-être en avoir deux. Voilà, de base ce sera un petit cœur, mais voilà, vous verrez. Voilà, ce sera la surprise, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Sinon ce matin on devait aller à Kensington Palace. Sauf que vraiment, on n'est pas très très doué. On savait pas qu'il fallait genre réserver un créneau. Quand on y était allé en 2019, c'était vraiment genre tu vas et tu peux regarder. Et là on y allait, le mec nous a dit le prochain créneau c'est à 1h. Parce qu'il y avait une nouvelle exposition. On s'est un peu fait avoir, mais c'est pas grave. On a traîné, on est tombé sur des super pizzas à Whole Foods. Donc est-ce qu'on est déçus? Pas tant que ça, on est contente. Voilà, donc on va se faire tatouer. Si je peux filmer, je vous filme. Sinon, à tout à l'heure. Bah oui, du coup, le tatouage. Peut-être vous les montrer. Ils sont beaux. Ouais, j'avoue, j'aime trop là quand je les vois dans le retour. C'est nice. En fait, ça, c'est des dessins pour ceux qui me suivent sur Instagram. C'est des dessins que moi j'ai fait. Elle les a reproduits. Donc là, c'est un peu bavé, mais je vous les montrerai dans les prochains jours en story Insta comment ça rend quand ça va pas. Mais voilà, je suis trop contente. Et ça m'a pas fait très mal. Genre, bah, après, je suis pas quelqu'un genre de douillette au niveau tatouage, je dirais, mais ça m'a pas fait très mal. Et du coup, à la base, je devais en faire 15, ça devait me coûter 150 livres. Au final, elle m'a fait les deux à 200 livres. Ce que personnellement, je trouve un peu cher comparé au prix français. Mais vas-y, je suis contente, donc voilà. Yes! Et moi, j'en ai fait deux. En fait, les seins sont un peu compliqués à montrer. Donc, je vous mets les photos ici de ces deux tatouages à elle. Niveau douleur, ça y est. Ah, moi, j'ai douillé. Ouais, bah en fait, c'est, bah, comme vous voyez, c'est du remplissage. Donc, ouais, donc ça fait mal. Mais en soi, la zone n'est pas douloureuse. Enfin, les zones sont pas douloureuses. C'est juste que moi, j'aime pas la sensation. Elle est un peu plus douillette. Yeah. Et du coup, les deux, 100 livres. Ouais. Oui, parce qu'elle a été tellement vite pour faire le premier qu'elle a fait bon. Est-ce que t'as un second design que tu veux? Après, si vraiment, genre là, je suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai payé le double de toi, alors que j'en ai demandé deux aussi et que moi, il y a zéro remplissage. Oui. Donc, littéralement la même aiguille, alors que toi, elle a dû changer d'aiguille. Bref, it's fine, juste parce qu'ils sont un peu plus grands. C'est pas grave. À côté de ça, genre, elle était trop gentille. Elle s'appelle Lucie. Le salon vegan, entier le salon, je crois que c'est le salon entier vegan. Franchement, trop gentille. Par contre, le quartier. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Pourtant, c'est dans la zone 2 de Londres. Ouais, donc on pourrait croire. Mais en fait, je pense qu'on traîne beaucoup dans les Kensington, Notting Hill. Donc on oublie que... devenu des bitches. Ouais, vraiment des rich bitches. Mais vraiment, le quartier était pas ouf. Et ce qui est dingue, parce que quand on rentre dans le salon, genre c'est trop classe. Genre, c'est un peu bobo. Genre, faut enlever ses chaussures. Ouais. Mais ouais, vraiment. C'est vrai. Un peu surprenant. Mais par contre, le quartier va pas aller. Ouais, quartier pas terrible. Et du coup, après, bah, comme vous l'avez vu, on allait un peu tranquillement se balader à Oxford parce qu'on avait rien d'autre à faire. Et voilà, nous sommes de retour à la maison. Yes! Il nous reste bientôt que 2 jours là, on s'en va bientôt. Ça voilà. Passe vite. Hein. Ouais, ça passe trop vite. Moi je suis déjà triste alors que moi j'y suis encore. Donc voilà, on va sûrement rester encore une fois tranquille à la maison avec un film. Donc, pas grand chose à vous montrer. Bye! À demain! À demain! We'll be fine. Okay? Alright, I try to speak clearly and slowly. Thank you.
au corps. Pour vous raconter un peu cette journée, parce que vous avez peut-être pas tout compris, on a pris un tour bus et on a fait du coup deux villages dans les Cotswolds et Oxford. On a acheté pas mal de trucs qu'on va vous montrer, mais d'abord, un peu pour vous raconter, Oxford, j'ai pas pu vous montrer beaucoup d'images, mais en fait, parce qu'il a plu, genre vraiment, on est descendu du bus. 10 minutes après. Et voilà, vraiment, genre notre séjour à Oxford qui a duré 2 heures quand même, ben c'était sous la pluie. Donc c'était nul, on voulait visiter l'université parce que je pense que Oxford c'est connu pour toutes ces universités. Mais on pouvait pas parce que déjà, il y en a certaines où t'as pas accès, d'autres où il faut payer. Et puis de toute façon, la pluie, franchement, ça nous a vraiment malheureusement un peu gâché notre séjour. Mais c'était quand même! Et les villages étaient très mignons. Oh, moi par contre, je suis tombée amoureuse des villages. Vraiment, à tout moment, je plaque tout pour aller vivre là-bas. mais c'était trop mignon. Il y avait une boutique de cristaux, il y avait une boutique de bougies, une pâtisserie, genre vraiment tout ce que j'aime quoi. On va vous montrer tout ce qu'on a acheté parce que moi personnellement, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc, c'est parti. Alors, ça, c'est pour mon papa parce qu'il aime bien le caramel beurre salé. Du coup, je me suis dit, allez, on y va à fond. Hein. Ça, c'est pour ma soeur. Ça, c'est pour moi, c'est des champignons. Bon, ça se voit, hein, j'ai pas besoin de le préciser. Mais j'aime trop. Je me suis acheté genre un set de 3 petites maisons. C'est pas trop mignon? C'est trop chou, c'est décoratif. Moi, j'aime bien. Je me suis acheté encore un autre magnet, Cotswolds. Et j'ai acheté ce petit hibou. Voilà! Mathilde, it's your turn! My turn! Alors, moi, il y a un cadeau pour Maureen, mais qui du coup verra sûrement la vidéo avant que je lui offre, donc je ne l'ai pas montré. Et tout ce que girl, Maureen! Moi aussi, j'ai acheté une petite maison pour ma maman. J'ai acheté une robe dans un. Ça s'appelle Oxfam, il me semble. Ouais, c'est une genre de une boutique de seconde main. Ouais, c'est ça. J'ai acheté pareil les petits. Les sont quoi trucs. Les tiens? Clotted cream, c'est le truc dont il nous a souvent parlé. Mais voilà. Oui, parce qu'on avait un tour guide dans le bus. Franchement, il était trop drôle. Il était gentil. Ah, mais c'est vrai, tu t'as acheté des bijoux. Oui, je me suis acheté un collier de perles comme ça. Et le clou de mon spectacle. Ah ouais, il est vraiment trop beau. Le clou de mon spectacle, c'est pareil. Un collier, je sais pas comment on le montre. Là, je fais le focus. Voilà. Donc voilà un peu pour ce qu'on a acheté. Sachant que moi j'avais déjà acheté des trucs que j'ai pas montré hier, mais j'ai acheté des petits rhum arrangés, enfin c'était du gin avec différentes saveurs que je vais donner à ma maman. À la base je devais donner à mon papa, mais vu qu'il a des problèmes de santé, je me suis dit l'alcool peut-être pas la meilleure des choix. Tu vas me dire caramel beurre salé, c'est pas forcément la meilleure des choix. Mais voilà. Et du coup demain dernier jour, je vais m'acheter une théière que j'ai repérée, que je vous avais parlé dans la première vidéo partie 1. Je vais me l'acheter parce que vraiment genre elle est trop belle. J'espère que ce sera en versant vraiment là, le destin. De toute façon le destin décidera hein, si oui ou non. Mais donc voilà, demain ça va être une journée un peu brouillon, enfin un peu aléatoire. On va voir, on va essayer de s'occuper. Ouais, c'est de toute façon départ, ouais c'est ça. C'est le départ. On part à 17h30. Mais faut y être 15h30. 30, ouais. 16h, parce qu'on aime bien être à l'avance quand même. Et puis voilà, de toute façon je vous montrerai, mais il y aura peut-être un peu moins de choses à montrer demain. Mais voilà, le séjour est bientôt terminé. Oui. À demain. À demain. Vraiment. Direct de Londres, nous avons dû être évacués de notre chambre pour un feu apparemment. Il y a vraiment très bonne idée. Que nous dehors. Coucou tout le monde, on fait une petite vidéo parce que du coup on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que ça a été très grosse galère. Vous avez vu ce matin, il y a eu un petit problème. Il y a eu une petite alarme incendie. Au début, c'était tout calme. Enfin, c'était une alarme très douce. Et moi, j'étais. Ma team me disait, c'est pas une alarme incendie. J'ai fait, non, c'est sûrement genre un intruder. Et au final, genre quelques secondes après, genre vraiment, ça a sonné genre hyper fort dans tout l'immeuble. Donc, nous, bien civilisés,
on s'est rhabillé, on a pris genre juste nos petits sacs genre de poche et on est sorti, on était les seuls dehors, ok. On attend un petit peu, les gens sortent petit à petit, mais vraiment 15 minutes plus tard, il y a encore des gens qui sortaient. Et notre fameux voisin qu'on était allé déranger au tout début de notre séjour, il est sorti, toujours aussi jet lag, hein, toujours autant, mais il était trop cool, pour au final nous dire qu'il n'y a pas l'incendie, c'est juste la meuf du 5ème étage de l'appartement 12, je suis en train de l'afficher actuellement, qui, si tu passes par là, qui en fait cuisinait et qui bah, a déclenché l'alarme. On a quand même fait venir les pompiers qui sont venus à 20 pour au final appuyer sur un bouton, je suppose, qui ont arrêté la sonnerie. Et on a pu retourner tranquillement dans l'appartement. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, donc on devait partir à 10h. Et nous, bah, on se dit, on va rentabiliser, on va vraiment genre sortir à 10h pile. Donc on voulait sortir les poubelles d'abord, donc on sort, on voulait sortir les poubelles. Et là, on veut rentrer dans, re-rentrer dans l'immeuble et re-rentrer dans la chambre. Notre code ne marchait plus, bah, parce qu'il était 10h passé. Donc à partir du moment où 10h est passé, bah, ton code ne marche plus. Donc heureusement, il y avait un mec de la maintenance qui était là, donc il nous a fait rentrer et on est parti. Donc voilà un peu pour notre matinée un peu montée. Ah ben non, c'est pas terminé, c'est vrai, il y a les valises. Vraiment cette journée. Donc on a décidé d'aller déposer nos valises à la gare parce que vas-y, elles pèsent 120 kilos chacune. Donc on est... Oui, j'extrapole le genre. Ah, je suis du sud moi aussi. Et donc on va à Saint-Pancras pour laisser nos bagages et on voit c'est 7 livres 50 par valise pour 3 heures. Sachant que nous, on comptait, on avait 5 heures devant nous, quoi. Vraiment, on avait, ouais, au moins, on avait 5 heures devant nous. Donc, vraiment, on s'était dit, on va les laisser le plus long possible. Sauf qu'en fait, c'était direct le double, 15 livres, si on les laissait plus de 3 heures. Donc, bah, en fait, on a speedé pour aller acheter ma théière, pour acheter des cadeaux pour la famille de Mathilde. Et pour aller au restaurant, on est retourné à Bella Italia, comme vous avez vu. Et cette fois-ci, Mathilde était contente. C'est très, très bon. T'as pris quoi? J'ai pris des meatballs. La sauce avec du pain et du garlic bread. Et en dessert, cette fois-ci, on s'est pas fait avoir, on n'a pas repris le cookie, on s'est dit c'est bon. Et du coup, elle a pris de la glace vegan vanille, qui était très bonne apparemment. Elle est trop, trop bonne. Moi, j'ai repris les mac and cheese parce qu'on change pas une équipe qui gagne, et j'ai pris le tiramisu qui était très bon aussi. Voilà, et donc on a couru très vite et on a réussi à avoir nos bagages à l'heure. Donc on a juste payé 7,50 livres. Maintenant, on se fait chier parce qu'il nous reste encore une heure. Au moins une heure avant de bouger nos fesses pour aller dans la partie Eurostar et après on aura encore de bonnes heures devant nous. Voilà, mais du coup je pense que c'est un peu sur ça que va se terminer le vlog parce que le reste n'est pas très intéressant pour vous. Donc merci beaucoup d'avoir regardé les deux vlogs. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on vous a un peu fait voyager, qu'on vous a fait rire. Et peut-être une prochaine fois on retrouvera Mathilde. C'est pas très souvent parce qu'on se voit pas très souvent. Bisous tout le monde.